Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pour un What's on my phone. Le petit téléphone est ici. C'est un iPhone 7 en rose gold, comme quoi. Et c'est un. Comment ça s'appelle? Un 256Go, je suis désolée. Je me suis pas amusée. D'abord, je vais vous montrer les coques que j'ai pris et que j'ai aussi dans quelle boîte. Alors c'était une boîte comme ceci, rose, enfin, bref, tout à fait basique. Alors dedans vous avez tout ce qui est stickers, Apple, notice, des trucs, on s'en fout. Alors, j'ai reçu un chargeur anglais. Ils m'ont aussi livré un français et un... Et un anglais. Après au cas où si je veux en Angleterre, voilà tu vois j'ai le chargeur. Après, moi, ça me dérange pas. Hop. Le téléphone, il m'a coûté 600 euros, comme ça. Après, j'ai les écouteurs et le port Lightning, un truc comme ça. Après, je les avais pas encore ouverts. Je voulais les ouvrir en vidéo avec vous. Alors, voyons voir. Voyons voir tout ça. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ouvre avec vous. Et que je vous fais un What's on my phone. Et comme nous sommes encore en vacances quand je vous filme cette vidéo, bah c'est mieux, je trouve. Alors, vous avez les écouteurs qui sont tout à fait basiques. Les écouteurs de chez Apple. Moi, je n'en ai jamais eu. Parce que moi, je passe de Samsung à Apple, comme vous le savez. Si vous me suivez pour rien. Attendez, je regarde s'ils me vont. Parce qu'il y a des écouteurs qui ne me vont même pas du tout. Bon, ça va. Après, ce que j'ai compris... Pourquoi il y a un port Lightning alors que... Ah, c'est pour d'autres écouteurs, genre. Genre, tu le branches comme ça, voilà. Je peux pas vous montrer mon portable branché pour que je vous filme mon écran à côté. Je suis désolée, ça c'est Hard Rock Café London, comme vous savez, je suis allée. Bref, après ça, si je vous montre. Alors, j'ai une coque d'abord où il est écrit c'est non. Après, j'ai une autre transparente. Qui est un de chez Primark. En fait, ils font les deux côtés, vous voyez, devant et derrière. Il y a beaucoup de trucs qui tombent. Après, j'ai une vitre rentrée que j'ai pas encore mise. Encore une autre coque pareille. Une coque qui s'éclaire, vous voyez, c'est les coques. Elles ont pas coûté trop cher ces coques-là. Elle a coûté 10 livres. C'est pas excessivement cher, mais c'est assez cher quand même. Voilà. Voilà, c'est ça. Faut bien éteindre parce que sinon, ça use la batterie. Et la dernière coque, c'est une coque Apple. Tout à fait basique. C'est pas une vraie. Hein. Voilà, je vous ai fait toute la présentation de la boîte. Alors maintenant, on va commencer avec mon iPhone. Je me mets sur le côté, comme ça vous pourrez le voir. Alors, on va se dire, c'est parti. Let's go! Alors, tout d'abord, mon fond d'écran, c'est une que j'ai pris à Disneyland parce que je suis allée à Disneyland il y a longtemps. Voilà. Après, quand on arrive sur la première page, c'est une image que j'ai pris à Disney aussi, c'est les Stormtroopers de Star Wars, voilà. Alors, après, en première page, vous avez les actualités, etc. Vous voyez ce que c'est. C'est beaucoup de trucs comme la neige, blablabla. Hop, après j'ai mes mails, mon calendrier, mes photos qui sont pas trop intéressantes. Voilà. L'appareil photo. Toujours même chose, très bonne qualité je trouve. Moi, voilà. À part que j'ai des boutons. Avec les filtres ça le fait, mais pas sur ici. Voilà, bref. Je trouve que c'est des bonnes applis, voilà. Après, j'ai le plan, l'horloge. L'horloge, je ne l'ai pas encore servi, mais ça me sert pour me réveiller aussi. Moi, j'aime bien. Après, j'ai la météo, les notes, les rappels, les vidéos. L'App Store, vous connaissez, l'iTunes Store aussi. J'ai santé, c'est pour, vous connaissez, c'est pour marcher. Réglages et réseaux sociaux. Alors, j'ai Skype, Twitter, vous connaissez, je crois. Il est toujours en barre d'infos alors.
Oui, j'autorise. Autorisé. Alors, mon Twitter, c'est marinapi-irte, parce que bon, je m'appelais genre YKTB, toi. Après, mon Musical.ly, je sais pas si je l'ai mis en route. I don't know. Ah, si, j'ai dû le mettre en route. Mais je suis déjà à 100%. Bon, vite. Ah, merde, je sais pas qu'on était. Je vous retrouve après parce que c'est mieux. J'ai pas envie que vous connaissiez mon mot de passe quand même. Mon Musical.ly, c'est marine.espagna. Toujours le même. Après, mon Instagram, c'est. Oh, je suis Selena Gomez, c'est ma vie, ça. Je sais pas, désolée. Selena Gomez, my life. Vous savez pas. Que Selena Gomez, c'est ma vie. Bref. C'est Marine aussi pour Espagna. C'est mon privé, normalement. Mais je l'ai mis public. Oui, j'ai beaucoup de photos de Londres. Voilà. Voilà. Après, j'ai Facebook, mais c'est perso. J'ai FaceTime, Calculette, Podcast, je connais ma page. Photo, vidéo, j'ai iMovie, Picard, c'est les trucs que j'adore. Bitmoji, c'est pour mon Snapchat que je vous ai montré ce qu'il y a là-bas. Après, j'ai Boomerang, ça vous devez connaître, c'est grave connu, ça va avec Instagram. Voilà. Vous voyez ce que c'est en fait, ça fait hop là, démarrer. Oui, je vais vous montrer, autorisé. Alors, voyons voir. Je vais faire l'autre côté. Tu vois, hop là, vous me voyez. Voyez, en fait, ça fait ça, toi. Ça va être. Voilà. Vous m'avez compris. Hop là. Après, ceci, j'ai dans divertissement, j'ai Netflix. Toute ma vie, Netflix. Je passe toute ma vie sur Netflix. En ce moment, j'ai repris Gossip Girl. C'est une de mes séries préférées. Après, ma série de toute la vie, c'est ça. C'est Riverdale. Je vous dis, allez la voir. Elle est trop, trop bien. Je me fous de la rose. Et aussi, une de mes. Ta gueule, toi. Une de mes séries que j'adore, c'est Once Upon a Time. Mais elle n'est pas disponible sur Netflix. Elle est que disponible sur Sister, tu connais. Après, j'ai quoi regarder? J'ai Friends aussi qui est très, 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 très bien. Jane the Virgin aussi, c'est très, très, très bien, je trouve. Oh, il y a Matthew Mother aussi, j'adore. Et une de mes séries que je regarde tout le temps, tout, faites à la maison, c'est trop bien. Et les 20 ans après aussi sont hyper bien. New Girl, c'est très bien aussi. Oh, ça c'est ma série de tous les temps. Pretty Little Liars. En France, on n'en a que 6 saisons alors qu'il y en a 7 aux États-Unis. Faudrait que Netflix magne, s'il vous plaît. Parce que moi, je veux bien voir cette nouvelle saison. Après, STGR, c'est là où il y a mon cinéma à côté de chez moi, c'est tout. C'est le plus proche, tu vois. Oh, ça, j'irai bientôt le voir, hein. Voilà, vous avez toutes les séances qui sont très bien, voilà. Près d'un Chrome. 46, c'est trop bien. Vous voyez, moi, j'étais en livre sterling pendant ce séjour, voilà. Oui, c'est un nouveau téléphone, c'est pour ça que c'est très, très chiant, tu vois. Tout s'affiche et tout, pas. Non, je sais pas. Oh là là. Voilà, par exemple, si vous avez, genre, t'as 100 euros et que tu. 102 euros, on va dire, parce que j'ai 100 euros cliqué. Et que tu veux savoir en livre sterling, c'est combien? C'est 90,83. Après, t'as les dollars canadiens et les dollars australiens. Moi, je trouve que c'est très pratique quand tu veux savoir les prix. Après, j'ai mail perso. Après, en bouffe, j'ai Domino's et McDo, ma vie, c'est deux applis. Après, j'ai Duolingo, qui est une application magnifiquement bien faite. Et je n'ai pas entré mes identifiants, c'est super. Je viens juste de lancer avant de commencer cette vidéo, c'est pour ça. Voilà, je vais juste me connecter avec mon compte Google, qui est celui-là. Et voilà, normalement, ça va me connecter automatiquement. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que je vous en parlerai plus en détail. Après, Photomat, c'est une application qui est très très bien, je trouve. Oui, ta bouche, je l'aime bien. Bref, terminé. Voilà, en fait, vous allez comprendre avec ce qu'il nous montre déjà. Bref, voilà. Ok, je n'ai pas de stylo à côté de moi, je crois pas. Ah, si j'en ai un, vous avez de la chance. Alors, attendez, je vais mon portable là pour l'instant. Alors, par exemple, je vais mettre ça en dessous. Par exemple, vous voulez savoir combien ça fait 10 fois 7 fois 40 fois
1000. Voilà, vous voulez savoir ça. Bah, en fait, vous prenez votre petite, vos petits trucs là. Et ils vont vous dire combien ça fait. Ça fait. Voilà. Vous voyez. Après, si vous voulez un truc plus simple, comme tout le monde sait ça. Ah, tu veux. 6 fois 6. Oh, désolé, j'écris hyper mal. Hein. Quand je suis sur mon genou, j'écris hyper mal. Ouais, ça peut se taper un peu mieux, je trouve. Je sais pas. Je vous dirai ça dans de prochaines vidéos. Après, j'ai spoté. Bref, j'ai vu ça dans une vidéo d'une youtubeuse que j'adore. Voilà. Voilà, en fait. Voilà. Login with Instagram. C'est super, je déteste quand ça fait ça. Ah, mon utilisateur, c'est ça. Je le couperai au montage parce que ça me saoule. Je l'ai coupé depuis tout à l'heure. Hop. Hop là, je le couperai au montage, ça, parce que voilà. Ça me saoule de couper depuis tout à l'heure. Hop. Hop là, ça. Désolée, je suis un peu décliné. Voilà, j'ai fait vraiment autorise. Autoriser. Alors, vous allez comprendre maintenant. Alors, souhaiter, en fait, tu vois, moi, je suis dans Paris. C'est bien ça. Je suis parisienne. Je suis née à Toulon. Voilà. Ben là, en fait, tu voyez, ils vont vous dire maps, liste, voilà. En fait, vous voulez prendre des bonnes photos. Vous êtes Instagrammeuse, voilà, blablabla. Et en fait, vous voulez, par exemple, une structure. Et par exemple, on va mettre. Par exemple, à 3 km de chez moi, il y a la passerelle Monday qui est très très belle, par exemple. Et qui est assez jolie. Après, t'as plein de thèmes, tu vois. T'as la station de métro, par exemple. Il paraît qu'il y en a des belles. Il y a la gare de Rosa Park, il y a la gare de Lyon qui est grave belle quand même. Voilà, vous avez beaucoup de trucs qui sont hyper beaux. Après, voilà. Ouais, celle-là est très très belle, je trouve quand même. Voilà, il y a une photo magnifique. Après, tu peux descendre. Oh mon Dieu. Après, vous avez les parcs. Si t'aimes bien les trucs colorés, moi j'adore les trucs colorés. Bah, tu vois, à 1 km de chez moi, il y a ça. Il y a beaucoup de trucs, tu vois. J'aime beaucoup cette appli. Après, tu as Zenly. Mes parents me surveillent tout le temps. On va se le dire. Je sais, je m'inscris, j'accepte les conditions, confirmé. Marine. Je suis née le. Bah, vous savez. Mais non, pas du tout, je ne suis pas née en 06. Hop là. Après mon numéro, bye. Regardez pas. Peux pas mettre en pause aussi. Ok, on va couper ça aussi au montage. Ok. Hop. J'entends recevoir un petit message. Voilà. Voilà, maintenant. En fait, ils vont me localiser. Moi, je vais m'éloigner d'où je suis parce que. Hop là, pour pas que vous sachiez où j'habite et vous sachiez mes contacts. Ouais, non, mais je m'en bats les couilles d'elle en fait. C'est une. Voilà, alors je m'éloigne d'où je suis. Voilà, en fait, vous voyez, en fait, par exemple, que. Voilà, vous êtes au Grand Palais, on va dire, à Paris. Voilà, vous vous baladez, etc. Voilà, tu t'as. En fait, et même maintenant, ils affichent les trucs au-dessus, toi. Clamart, Chantillon. Voilà, vous pouvez même aller jusqu'à Marne-la-Vallée, Chessy, au Parc Disneyland de Paris. Voilà. Et en fait, ce que j'adore dans cette appli, c'est qu'en fait, tu peux savoir où sont les gens. S'ils te disent non, mais en fait, je peux pas sortir, je suis pas disponible. Voilà. Des personnages à côté, c'est la mère. Bref, voilà. Ils vous disent non, mais en fait, ils sont tous ensemble, tu vois. C'est trop. Après, t'as trop la haine. Après, tu peux aller en Russie, blabla. Voilà, au Canada.
au Canada toute ma vie, pour réfléchir, et en fait, tu vois le pourcentage des gens, où ils sont, voilà, c'est trop bien. Après, il y a rubrique que je ne sais plus. Ah, je sais. En fait, par exemple, autorisé, ok. Autorisé. Alors, par exemple, prenons. C'est Jessica Détange, mais c'est pour rien du tout, ça pour autre chose. Oh non, je suis heureuse de vous montrer, voilà. Par exemple, j'ai pris cette photo hier soir. Et en fait, ils vont me dire ce qu'a un rapport avec. Parce que je prends des photos comme ça sur Instagram, mais c'est pour ma story. Bref, on va dire. En fait, ils vont me dire, genre, tout ce qui est comme. En rapport pour soit les stories, les posts Instagram, toi. Par exemple, des fois, tu sais jamais quoi mettre. Bah, ils vont dire plein de citations. Et je trouvais cette appli absolument trop, trop bien. Par exemple, parlons une photo de moi. Par exemple, celle-là, c'était une de mes miniatures. Alors, voilà, voyons, voyons. Voilà, mes résolutions 2018. C'était ma miniature, voilà. De mes résolutions. Bah, on va chercher aussi encore un peu. Et on va voir ce qu'ils me disent. Voilà, Paris Gaulle, blablabla, Women. Ouais, c'est assez bien cette application, j'aime beaucoup. Après, j'ai l'application RATP. Je vais dire comme tout le monde, l'application la plus merdique du monde. Parce que RATP, c'est une des applis qui me bug le moins. RATP, je vous jure, c'est une des applications les mieux. Alors voilà, vous avez le menu sur le côté. Moi, je vais beaucoup dans les horaires pour savoir. Après, vous avez toutes les lignes de métro, les bus. Moi, je prends souvent le 48. Bah, par exemple, direction Podé, là, je prends souvent. Parce que mon cinéma, il est là-bas. Alors, voyez, vous voulez prendre le 48. Bon, c'est assez chiant maintenant qu'ils ont mis la mise à jour. Bref, non. On va prendre de la ligne. La ligne. La ligne 4. Direction Mairie de Montrouge. Voilà, vous êtes à Alésia, imaginons. Et vous voulez savoir combien de minutes il vous reste pour aller là-bas. Là, il va vous le dire, mais là, je ne sais pas ce qu'il me fait. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne suis pas un bâti faible. C'est mon ordi qui a une batterie faible. Là, je suis dégoûtée. Attendez. Et puis il m'a saoulé, il veut rien mettre. On s'en fout, non? Après, Stina Hair, j'adore cette application. Voilà, c'est une application de chez L'Oréal, sauf que les notifications me sont en ce moment. Oh! T'arrêtes, hein! J'adore mon téléphone, il est trop beau, je trouve, en rose gold. Putain. Bref, hop là. Par exemple, toi, ta couleur, elle te plaît plus beaucoup. On va te le dire, genre, non, ta racine foncée. Voilà. Ah, ils me disent quoi? Y a pas de réseau, tu me dis? Je sais pas ce qu'ils me disent, mais. Bref, je crois que vous avez déjà vu cette vidéo, cette application un peu partout. Bref, on s'en fout. C'est en fait. Ça m'a saoulé. Alors. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Non, je viens pas de Belgium, moi, j'ai pas envie en plus. Voilà ça. J'accepte blablabla. Voilà, vous voyez. Alors, par exemple, le 1 client. Bla bla bla. Passé. Hop, non merci. Je reçois un peu beaucoup de notifications déjà. J'ai pas envie d'en recevoir d'autres. Essayez un look. Hop là. En fait, vous voulez prendre une photo. Vous déjà que j'ai mes cheveux. Vous savez que j'ai beaucoup les cheveux attachés. Attendez. Attendez. Mes cheveux sont sales, c'est pour ça que vous voyez, ils sont un peu gras. Je vais finir cette vidéo avec les cheveux longs. Hein. Voilà. On va faire comme ça. Voilà.
Il m'a fait quoi? Pourquoi il me l'a mis comme ça? Bref, on va d'abord. Non, je n'aime pas cette photo. On va refaire une petite manip. Voilà, on a réessayé, on va voir si ça se tourne ou pas. Je suis déjà à 16 minutes de vidéo, c'est horrible. Alors, tu veux d'abord. Hop là. C'est horrible. C'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça du tout. Non, merci. Bref, vous avez compris, en fait, vous pouvez tester des couleurs, tout ça. Connais, voilà. Ouais, vous m'avez compris, vous testez toutes les couleurs possibles. Voilà, je vais essayer encore de vous montrer. Ok, voyez. Ok, vous voyez, en fait, c'est un peu coloré. Voilà, vous pouvez avoir du marron, marron. Moi, je suis déjà brune de nature. Hein. Je suis atteint. Non. Bref, vous m'avez compris, ça m'a saoulé. Après, j'ai traduction, c'est tout à fait basique. Vous connaissez. Messenger privé. Ah, mon Tom, j'aime trop ce satellite. Je l'ai pas encore commencé. Alors, on commence en direct. Voilà, alors, moi je suis née en 2002, comme vous savez ça. Alors, je suis une meuf quand même. Il est trop petit. Pourquoi il ne fait plus de bruit? Ah, parce qu'en fait, le bruit est là-dedans. Hop là. C'est pas ton vrai nom. Je vais l'appeler Loulou. Je sais pas, ça me rappelle quelqu'un, à mon neveu. J'ai besoin d'accéder au micro pour t'entendre. Mon Tom, faut accéder au micro. Ok, on fera plus ça, plus ça. Mon Angela, c'est la même chose. Et Tengelchinger aussi. Alors, après, j'ai Google, bref, les trucs qui ne servent à rien. Après, j'ai message et rien de tout, c'est ni. Après, Pilrone, je sais pas. Stockard, c'est. Ouais, vos cartes de fidélité, en fait, c'est là-dedans que j'ai ça. Mais je les ai pas encore toutes rentrées, je crois pas. Non, vous voyez, je les ai pas encore rentrées. Après, refus. Après, j'ai My Canal des loisirs, tout à fait. En fait, tu veux savoir, quel programme as-tu ce soir à la télé? Vous voyez, alors ce soir, normalement, il y a section de recherche. Moi, c'est passé parce que je suis. Il est bah, 9h40, pas 9h41, mais, il est. Je ne sais pas. Apple, il y a WhatsApp, c'est toujours basique. Deezer, ma vie. Ma vie. C'est une blague, elle s'est déconnectée. Je suis dégoûtée, mon père m'a connectée, mais en fait, il s'est déconnecté, ce petit con. Bref, on fera ça plus tard. Après, Google Maps, toujours ma vie. Et Shazam. Vous voyez, on a. C'est trop bien, ça s'appuie. Et mon petit Snapchat, tu connais. J'ai un perso et un privé. Bah celui-là, c'est le privé perso, une chose. Je veux dire, un perso et un YouTube. Bah, celui-là, c'est YouTube. Il est trop bien. J'aime trop WhatsApp, Snapchat. Alors là, je suis en train de filmer une petite vidéo pour vous. Voilà, petit éclairage, tu connais. Petit ordi, parce que après, les photos cassées, tu connais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une vidéo. Tchuss!